I'm as nervous as you are. I go weak in the presence of beauty. Thank you very much. Le roi de Bollywood a craqué pour une Miss, qui est partie avec un autre. Le roi de Bollywood a été subjugué par la beauté de cette Miss Monde. Il était marié mais avait totalement craqué pour elle, à tel point qu'il était prêt à tout sacrifier pour ses beaux yeux. Mais contre toute attente, elle a fini par se jeter dans les bras d'un homme très connu et bien plus jeune que lui. Not been shown the kind of respect I show her, or all the women. I think it's a little disrespectful. I'm extremely sorry about that. Priyanka Chopra a ébloui des millions de gens lorsqu'elle a été élue plus belle femme du monde. Après le concours, elle a eu beaucoup d'hommes à ses pieds, et l'un en particulier est tombé sous son charme, Shah Rukh Khan, l'un des acteurs indiens les plus reconnus à l'international. I'm as nervous as you are. I go weak in the presence of beauty. Thank you very much. So I'm going to read out my question. It's long, but the answer would be simple, I'm quite sure. This is hypothetical. Who would you rather marry? A great Indian sportsman with all the records in Indian cricket, like Azhar Bhai here, who would make our country proud, take you all around the world, and make you swell with pride, or an artistic businessman with a difficult name to pronounce like Swarovski. Après le couronnement de Priyanka, de nombreuses portes sont ouvertes à elle. Elle est devenue actrice, et quelques années plus tard, elle a donné la réplique à Shah Rukh Khan dans le film Don, ce qui a été le point de départ de nombreuses rumeurs concernant une histoire d'amour cachée entre les deux. Sur le tournage, le célèbre acteur aurait tout fait pour séduire la belle Miss, qui aurait alors fini par céder à ses avances. Lui ne se souciait pas de sa femme et de ses enfants, et se voyait déjà finir sa vie avec. Cependant, tout a changé lorsque son épouse Gauri a découvert son infidélité. Cette dernière était furieuse, et elle a décidé de se venger de Priyanka en usant de son influence, pour mettre sa carrière à mal. Cela a rendu très difficile la relation entre les deux amants qui n'ont pas eu d'autre choix que de se séparer. Priyanka a eu beaucoup de mal à se remettre de cette peine de cœur. Mais le destin allait finir par lui sourire à nouveau. Peu de temps après, elle a reçu un message sur Twitter de la part d'un certain Nick Jonas. Le chanteur était un fan absolu et au fil du temps, il a fini par lui avouer qu'il était tombé sous son charme. Même s'il est âgé de 10 ans de moins qu'elle, ça n'a pas été un obstacle pour entamer une belle histoire. Au fil du temps, Priyanka s'est rendu compte que l'artiste était l'homme de sa vie. Ils se sont finalement mariés en 2018, pour le plus grand bonheur de l'ancienne reine de beauté, qui n'a jamais été aussi heureuse et rayonnante qu'elle ne l'est aujourd'hui. De son histoire tumultueuse avec Shah Rukh Khan, jusqu'à la découverte de l'amour véritable avec Nick Jonas, son parcours est la preuve que le destin peut nous offrir des secondes chances.